Bonjour. Apparemment, il y a du courrier. Qu'est-ce que tu apprécies le plus de ta vie ici ? Ce que j'apprécie le plus, c'est les découvertes. On est à Toronto, la ville la plus cosmopolite au monde, et c'est vrai qu'au quotidien, il y a tellement de choses à découvrir, et je ne suis pas prêt d'avoir fini même en restant juste à Toronto. Pour tout ce qui est le Canada, toutes les découvertes que je peux faire aussi à l'extérieur, dans la campagne, et à toutes les randonnées. Pour mes enfants aussi, c'est acquérir aussi une nouvelle langue, l'anglais, sans avoir à l'apprendre, parce que au quotidien, tout est en anglais. Ça semble tellement facile pour eux d'acquérir ça, mais ils continuent quand même à être dans l'éducation francophone, et je trouve ça important. J'ai fait des formations qui étaient données par le Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Voilà, j'ai eu quelque chose qui m'attirait. Je sentais qu'on parlait la même langue, en fait. Je me sentais bien à chaque fois. Ça m'aidait à évoluer, continuer à évoluer au niveau du conseil. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de postuler pour un poste de superviseur au sein d'une garderie, je n'ai pas hésité un seul instant. Voilà, ça fait 4 ans que je suis ici et je n'ai vraiment pas envie de partir. Je suis Laurent, je viens de Nozay, une petite ville entre Nantes et Rennes en France, et mon avenir est ici.